and kissing, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some, never mind, just let me know. Salut. Je dirais que je suis encore maquillée, mais non, j'ai plus de maquillage. Ce matin, j'ai du mal à me lever. Faut que j'aille au sport avec Chanel, la petite sœur qui doit nous accompagner. Et après midi, on va aller à la benne. Je suis pas à poil, je vous rassure. Je suis habillée. Ah, je suis en pyjama. Ce matin, du coup, on va au sport. Après, normalement, on va manger chez mes parents. Après, il faut que je rentre déposer Nolan parce que du coup, demain, je vais travailler. Et il faut qu'on redépose Léa. Ah, et puis, regardez qui est-ce qui est là. Mister le casse-pompon. Hein? Oh, il est ouf. Allez, sur ce tas de là. Je vais ouvrir mes volets. Il paraît qu'il fait beau. On va voir ce que ça donne. C'est bien ce qui me semblait. En vrai, il fait pas beau du tout. Mais il pleut pas. Voilà. En vrai, ça donne ça. Pas de soleil, mais pas de pluie. Regardez-moi la longueur de mes cheveux. On les voit même plus. Bref. Je vais aller me brosser les dents. Et en avant. Ouh, je suis motivée comme jamais aujourd'hui. Pourtant, je suis contente qu'il y ait ma petite sœur et Chanel qui soit avec moi, mais... Il y a des jours avec et des jours sans. Je pense que quand j'y serai, ce sera pas la même motivation. Mais là, ce matin, en fait, il fait froid. Et j'aurais clairement préféré rester au lit. Mais bon. Qui réussit à être en retard, 9h31, c'est moi, mais je le savais parce que je me suis mal levée, je me suis pas bien levée. Allez go. J'ai encore les petites cernes, hein. Ça se voit que je viens de me lever. Ah merde, j'ai enlevé la musique, pas grave, je la remettrai. 506. Je suis rentrée les amis, je suis en train de faire une machine, si j'ai bien compris, les enfants sont en train de se préparer. Bonne petite séance de sport, on a plus rigolé que fait du sport, mais on a quand même bougé, enfin moi j'ai fait mes 1000 sauts, je suis contente. J'ai fait du cerceau, hein, pour celles qui n'ont pas compris sur Instagram, je vous ai mis mon nouveau challenge, qui s'annonce être compliqué, et je pense pas le faire sur autant de temps. Quel dis-tu ça? Bon, ben, on est rentré de notre journée. On a passé une bonne journée. Malgré tout, n'est-ce pas? Hop. Je ferme le couloir, de toute façon, ils s'en fichent. On est rentré de chez mes parents. On a bien mangé, on a bien bu. Enfin, pas beaucoup bu, mais. Enfin, pas picolé, quoi. Mais on a. Enfin, mangé et bu de l'eau, quoi. Du coup, là on vient de rentrer à la maison, on a déposé les deux enfants, ça y est. Et là on vient de rentrer, autant vous dire que je suis capoute. Attendez, je vous redresse, parce que vous n'êtes pas droit. Voilà, je crois que vous êtes à peu près droit, mais je vais devoir vous baisser un peu. Bref, on a déposé les deux enfants, une chez sa mamie, parce que sa mère vient la récupérer chez sa mère.
et un chez les parents de chouchou parce que c'est les parents de chouchou qui s'occupent de Nolan le lundi matin parce que moi je vais au bureau. Voilà, bon, ça change pas d'habitude, clairement. On a passé une bonne après-midi chez ma mère et mon beau-père. C'était hyper bien, on était parti pour courir, mais bon, clairement avec le temps qu'il fait en ce moment c'est compliqué. Du coup on n'est pas parti courir, hein. On a un petit peu zappé l'option. En même temps c'était bien goinfré à midi, donc clairement voilà, j'ai encore le repas de ce midi sur l'estomac, donc autant vous dire que ça aurait été coton de devoir courir. J'ai dit à Papy Pierre que je courrais, mais peut-être pas autant que la dernière fois. C'est vrai que la dernière fois je m'étais bien donnée parce que j'avais fait de la corde à sauter aussi avant, j'avais fait une semaine de corde à sauter, donc j'avais le cardio, j'avais la condition. Là clairement, en reprenant la condition tout doucement, voilà, j'étais moyen de me... enfin, je me sentais pas de courir pendant une heure, quoi, clairement. Donc voilà, on n'a pas couru, mais ce n'est que partie remise, n'est-ce pas? C'est quand même deux fois qu'on zappe. Mais bon, on est quand même tellement bien chez papy mamie qu'on a envie d'y aller. Et puis bon, on se laisse un peu emporter. Puis après, on se dit, bon, il fait pas beau. Après, il fait froid. Puis après, la veille, on a fait ci, on a fait ça. Enfin bref, je trouve toujours des excuses. Même si papy Pierre, il est quand même beaucoup plus motivé que moi. Moi, beaucoup moins. Enfin, c'est pas que je suis pas motivée, c'est que j'ai. En fait, je pense que j'appréhende tellement le parcours que je suis moins motivée. Après, s'il me dit on y va maintenant, j'y vais, quoi. J'y vais clairement. Mais là, j'ai l'impression d'avoir des petites portes de sortie. Et du coup, je me laisse tenter, quoi, clairement. Donc, voilà, c'est pas l'idéal non plus, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, je me suis sortie mon sauveur. Parce que clairement, je suis pas allée chez l'esthéticienne depuis quelques mois, je crois que la dernière fois c'était en septembre. Du coup, je fais ça à l'épilateur électrique en attendant. Je préférais mettre de l'argent ailleurs en fait en ce moment. Donc, l'épilateur est mon ami, j'en ai un. Donc, clairement, je pense que je vais même stopper mon abonnement là pour l'hiver parce que je pense pas forcément avoir envie d'y aller ou peut-être pendant les vacances, je vais voir. Mais je le remettrai peut-être en route, peut-être qu'à partir de, je sais pas moi, vers le printemps, quoi. Peut-être pendant l'hiver, m'occuper de moi toute seule comme une grande. Bref, en fait j'ai moins la motivation d'y aller, quoi, pour l'instant. Voilà, bref, je vais me faire les épilations de mes gambettes, de mes demi-jambes. Et après je vais me prendre un bon bain, je vais me mettre de la musique, là je vais mettre la télé. D'ailleurs il faut que je trouve la télé quand même parce que je crois que c'est Chouchou qui l'avait de son côté. Et je vais me mettre des vidéos là en fond, comme ça je pourrais regarder et m'occuper. Chouchou s'est mis sur sa Xbox, sur sa Play, hein, comme d'habitude. J'ai l'impression d'être toute floue, c'est bizarre avec ce truc là. Je sais pas si l'autofocus fait bien, enfin le focus a l'air d'être assez lent sur cette nouvelle caméra. Je fais des petits tests. Voilà, et pour celles qui auraient éventuellement vu, parce que je vous aurais quand même mis des petits passages de mon sport, j'ai acheté un cerceau. Je compte faire le challenge qui s'annonce être un challenge assez compliqué, je pense encore plus compliqué que celui de la corde à sauter. C'est pas spécialement ça fait pas travailler le cardio du tout, hein. Ça fait travailler la sangle abdominale plus particulièrement. Voilà, donc je vais tenter le cerceau. Donc le cerceau c'est un challenge qui est sur un mois. Le challenge consiste à faire sur 30 jours 30 minutes de cerceau par jour, donc devant une série, devant un autre, peu importe, tant qu'on fait du cerceau pendant 30 minutes. Ça m'a l'air un peu compliqué parce que le cerceau, du coup je l'ai acheté, c'est un vrai cerceau, c'est pas un cerceau de cours de récré par exemple. Le cerceau il est un petit peu gondolé, enfin vers l'intérieur pour pouvoir travailler justement la sangle abdominale, et il est très lourd, il pèse 1,5 kg, donc on dirait pas comme ça. Même moi quand je l'ai acheté, j'avais le choix entre 1 kg et 1,5 kg, et je me suis dit bon, 1,5 kg c'est pas grand chose, donc je me suis dit bon allez, prendre 1,5 kg. Et en fait je me dis punaise, il est quand même très très lourd, il est grand et lourd, et ben plus c'est lourd et plus ça demande de faire des grands gestes et du coup d'avoir la sangle abdominale bien contractée, et du coup c'est compliqué. Donc je pense que je vais commencer en même temps que certains commenceront à manger du chocolat, c'est-à-dire pas avant début décembre, qui va arriver très vite. En attendant, je m'entraîne un petit peu de temps en temps. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai testé avec Chanel et ma petite sœur. Je vais tester de temps en temps, juste comme ça, histoire de voir comment ça donne. Et puis on verra ce que ça va donner sur tout le mois. Je vais essayer de faire ça. Après, je vais manger un chocolat. Moi, je ferai 30 minutes. Je crois que j'ai choisi la bonne période pour faire des défis de ce type-là, je crois. Bref, je vais essayer pendant un mois de faire au moins 30 minutes de cerceau par jour. Alors, si j'y arrive pas, je pense qu'au départ, je ferai que 15 minutes. Comme je me suis dit de toute façon que pour la corde à sauter, si j'arrivais pas à faire mes 1000 sauts, je ferai que 500. J'ai réussi à les faire. Si c'est pas 30 minutes d'un coup, c'est pas grave, je préfère les faire dans la journée petit à petit et me dire je les ai fait, plutôt que de faire tout d'un coup, me crever et de pas continuer derrière.
Donc si je fais qu'un quart d'heure le matin et puis un quart d'heure le soir, c'est pas grave tant que je les ai faits, c'est le principal. Le but c'est que ça travaille et que je ne lâche pas sur les 30 jours qui suivent quoi. Donc voilà, je vais m'épiler les gambettes, regarder ma petite vidéo et du coup bah, si vous voulez voir mon nouveau challenge, comme j'ai pu faire le challenge de corde à sauter, bah écoutez, mettez-moi des pouces en l'air, comme ça je saurai qui est à fond, mettez-moi des commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commentent pas spécialement, mais qui regardent absolument toutes les vidéos. Si vraiment vous voulez pas mettre un commentaire, vous êtes obligé de rien, vous pouvez juste mettre un petit pouce, comme ça je vois les pouces monter par rapport aux autres vidéos par exemple, et du coup je me dis ah ouais, là ils ont envie que je fasse ce challenge, donc je le ferai. Après pouce en l'air, pouce en bas, franchement ça veut rien dire, c'est juste histoire de montrer que vous êtes passé par là quoi. Donc voilà, allez, sur ce je vais me déshabiller, parce qu'il faut que je me déshabille pour pouvoir faire mes gambettes, et après je vais me prendre un bon bain chaud pour me réchauffer. N'ayez pas peur, ce n'est que moi, je sors de la baignoire et je viens de me faire un petit masque, enfin voilà, je laisse poser vite fait. Ça a déjà, c'est déjà parti sur certains endroits, enfin ça a séché sur certains endroits. Hop, c'est mon petit masque pin-up. Pin-up secret que j'aime beaucoup et que j'utilise tout le temps. Voilà, bref. Je me suis pris un bon bain, ça fait du bien. On va pas manger ce soir, je pense pas. Je vais quand même préparer le repas pour demain midi, quand même, pour nous. Et je vais laisser ce masque poser genre 5-10 minutes. Après j'irai l'enlever. Ça me chatouille. Bon, le bain était plutôt cool, j'ai regardé 3-4 vidéos. Je les ai accélérées parce que clairement moi je peux pas les regarder en mode normal, ça m'endort. Clairement. Donc voilà, c'était plutôt agréable comme dimanche, comme fin de dimanche, surtout après le sport, le repas qu'on s'est cogné ce midi. Enfin, c'était tellement bon que je me suis tellement goinfrée que j'avais mal au ventre. Là, ça va un peu mieux déjà. Bref, je suis belle comme ça. Hein. Bon, allez, je vous retrouve, je pense, demain parce que je vais pas faire grand chose de plus ce soir. Et demain, je vais travailler donc je prendrai un petit peu de temps pour filmer. Le matin, le midi. Ah, oh, ça me chatouille, ça me rentre dans le nez. En plus, j'ai plus de batterie, donc comme ça, au moins, c'est fait. Bonjour les amis. C'est le matin. Faut se lever. Debout. Enfin, pour moi. Je suis habillée, tout ça. Je vais aller me brosser les dents. Mais avant ça, je voudrais mettre ma batterie à jour. Non pas que ce soit très important pour me brosser les dents, mais c'est qu'après je vais oublier, je vais partir en vitesse. Et ça va être problématique, n'est-ce pas? Il faut que je fasse ça et que je change ma carte mémoire aussi. Ce qui serait pas mal. Et que je prépare mon sac à la même occasion. Oh là là, je l'ai pas préparé. Bon, ça va être vite fait parce que j'ai pas beaucoup de choses à prendre normalement. Mon chat est en train de partir en cacahuète. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. La situation est gérée à peu près. Hop, mon sac est là. J'ai pas très envie d'aller au bureau. Pourtant tout va bien cette fois-ci. Mais ouais, j'ai pas spécialement envie. En fait, j'ai la flemme, c'est surtout ça. J'ai tellement la flemme que j'aurais préféré travailler à la maison. Ah, j'ai vraiment plus de batterie. Il faut que je vous laisse. Allez hop. Batterie à charger. Mon sac est prêt. Il manque juste ma gamelle à aller chercher dans la cuisine. Et après on est bon, je peux aller me brosser les dents. Partir me brosser les dents, je vais faire vraiment en dernier des derniers. J'aimerais bien me prendre un chocolat chaud mais je sais pas si j'ai le courage de me faire le chocolat maintenant. J'ai un peu la flemme de tout là. Je fais pas. Chut. Je vais faire. Non, je vais pas faire. Un petit couteau. Pommes, voire deux pommes. Bon, tout est prêt, ma gamelle, mon sac à main, mon écharpe. Je sais même pas si je prends pas mon manteau parce qu'il fait froid quand même en ce moment. Chouchou est parti en pantalon pour vous dire, habituellement il est toujours en short, là il a pris le pantalon quand même. Il fait 9 degrés, enfin il faisait 9 degrés hier matin, enfin hier toute la journée d'ailleurs. Donc je sais pas si je vais pas prendre mon manteau, je me pose la question, on verra bien. J'hésite encore, je vais me brosser les dents et puis sur le chemin, si j'ai froid, entre le salon et la salle de bain, si j'ai froid, je prendrai mon manteau. Bon, j'ai mis le manteau, les gars. Le manteau et l'écharpe.
Ouais, j'ai tellement peur d'avoir trop froid, que trop chaud, que je me suis mise un petit t-shirt vite fait. J'ai mis le t-shirt Primark vert que j'ai acheté ce week-end. J'ai mis ma petite chemise sur chemise là, blanche, et c'est tout. Et puis le reste, ben, j'ai rien d'autre en fait. Donc 9 degrés, je vais quand même les sentir. Du coup, j'ai mis mon manteau. Bref, on y va? C'est parti. Je commence à 9h, donc j'ai largement le temps. C'est pour ça que je vous prends, mais j'ai pas envie de me traîner trop sur la route, donc je vais essayer d'y aller quand même assez rapidement. Allez, go! Bon, en attendant, je me couche dans ton lit. Hop. Ah bah tant pis pour toi. Allez, voilà. Les gars, je touche même pas, mes chaussures elles sont même pas pourries, en plus regarde, voilà. Allez Nolan, s'il te plaît, dépêche-toi. Oui, c'est bon là. Non, c'est pas bon. Ah, ça va bien là, mon t-shirt avec ton coussin. Je suis assortie. Nolan est en train de se mettre en pyjama parce qu'il avait sa combi là depuis tout à l'heure et je veux pas qu'il dorme avec la combi sinon il a trop chaud. Non. Du coup, ah, pardon. C'est ça, il a toujours un problème de... Il doit avoir un problème de condensation, ce petit. Ma chérie, tu enregistres quand même. Ah non, je t'ai demandé tout à l'heure, tu m'as dit non, je te débrouille. Je t'ai demandé d'allumer, tu m'as dit non, c'est pas maintenant. Donc tu te débrouilles maintenant. Mais c'est pas maintenant. Bah tant pis, tiens, va remplir ta gourde. J'ai peu d'espace. Va remplir ta gourde. Bon, du coup, je ferme le vlog maintenant parce que finalement, j'ai rien fait de ma journée. Enfin si, il s'est passé que j'ai oublié mon téléphone toute la journée. Autant vous dire que j'étais à l'agonie. Je suis allée chercher entre midi et 13h tellement j'avais peur que Nolan ne fasse pas ce qu'il faut au moment où il rentre à la maison. En fait, si vous voulez, j'ai oublié mon téléphone, je m'en suis rendu compte le matin même, mais c'était trop tard pour que je fasse l'aller-retour. J'ai essayé de joindre Chouchou par Messenger via Facebook, par les mails, etc. Et il a tardé un petit peu à me répondre, du coup j'avais peur qu'il n'ait pas tout compris. Et comme c'est compliqué par mail, je me suis dit, bon allez, soit je vais le chercher à 13h et je reviens pour 14h, soit je viens pas le chercher, mais du coup je prends le risque que Nolan et Chouchou soient un petit peu tout seuls livrés à eux-mêmes. Et comme Nolan rentrait tout seul de l'école, j'ai préféré aller le chercher. Et juste au moment où j'arrivais, comme par hasard, t'as brossé tes dents, tiens, pour la peine. Oui. Menteur. Dépêche-toi. C'est pas bien de mentir, Nolan. Et tu m'as déjà menti. Oui, pour le Père Noël. Enfin, pas grave. Pour la petite souris. Et pour la petite souris. J'en sais rien. Enregistreur. Eh ben oui, tu appuies sur le bouton rouge. Bref, du coup j'ai oublié mon téléphone, j'ai été le chercher du coup par précaution et juste au moment où j'arrivais à la maison, Chouchou rentrait parce qu'il était d'intempéries. Donc ce qui fait que je l'ai croisé, voilà, j'ai récupéré mon téléphone et je suis rentrée. Et du coup bah, j'ai rien fait de particulier, même sur le temps de midi, j'ai même pas eu le temps de vous filmer. Parce qu'en plus de ça, j'ai pas pris de risque hein, parce que clairement il pleuvait comme jamais. Moi en Twingo, clairement je prends pas spécialement le risque de m'envoler ou de me noyer. Du coup, voilà, j'ai pas filmé. Ce soir en rentrant, le repas était déjà fait donc je suis vite allée me coucher. Enfin, je suis allée me coucher n'importe quoi. Je vous dis des bêtises tellement j'ai envie de terminer mon rush pour qu'il me laisse tranquille, lui, là-bas. Il veut absolument qu'on enregistre un film et il veut que je le fasse parce qu'il n'y arrive pas. Sauf que c'est pas très compliqué d'appuyer sur un bouton rouge et de programmer à telle heure. Quel bouton rouge? Oh, il me fatigue. Quel bouton rouge? Appuyez sur le bouton, tu connais ça? Il me fatigue. Tu vois pas programmer via le programme télé? Il y a pas de bouton rouge. Mais t'as déjà appuyé, banane. Sur le bouton rouge. Quel bouton rouge? Il n'y a pas de bouton rouge, divine. Là, le bouton rouge. Tu le vois pas, le bouton rouge? Tu veux que je te le mette où, le bouton rouge? Tiens, là, tu fais. Regarde bien parce que je vais pas le faire. Je vais te laisser faire après. C'est même pas ça que je voulais faire. Ouais. Première partie de soirée. C'est quoi? C'est 8? Voilà. Débute dans 1h08. Tu cliques dessus. Ok. Oh, enregistré. Ok. T'as vu, c'est... Oh. Voilà. L'enregistrement de Marie démarrera à 21h19 et se terminera à 21h14 avec une marge de fin de combien? Moi je vais toujours limite. Un peu plus. Comme ça, comme on est quand. Voilà. C'est là, fait, c'est bon, monsieur. Là. Voilà. C'est bon. C'était pas compliqué. Ouais. Allez, au sac. Nolan, pas de bon bec. Et au dodo. Et là, c'est mangé, t'as l'air de bon. Les dents et au lit. Oh là, pourquoi tu me poses ça? Les dents et au lit. Fatiguée la vie. Allez, c'est bon là. Et toi, tu mets pas non plus, ok? Allez, Chouchou, au lit, Nolan, dépêche-toi, les brosses les dents. Allez. Ils se moquent de moi, les deux là. Gratte-moi le dos. Nolan, s'il te plaît. Mais oui, qui c'est qui fatigue le plus la vie à qui là? Toi. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Si, parce que tu me dis d'aller me brosser les dents et dépêche-toi. J'ai pas d'espace vital. T'as pas d'espace vital, ouais. Et tu m'as fait
piquer mon lit. T'as une chambre de 12 mètres carrés, t'as pas de truc vital, toi. Tu vas piquer mon lit. Bon, allez, toi, tu vas là-bas, j'arrive. Sinon, on va jamais y arriver, j'aimerais bien me coucher, moi aussi. Bon, du coup, il est même pas 9h. J'éteins tout. Mais bon, t'éteins les lumières. Non, pas celle-là. Il me fatigue. Allez, c'est bon. Va au lit, va te coucher, faire comme les gosses. Au lit. Bon, du coup, j'attends Nolan qui se brosse les dents, qui devrait pas tarder à arriver dans sa chambre pour se coucher. Moi, je vais aller me coucher juste après. Fidji, la paix. Fidji était déjà sorti puisque quand je suis arrivée, j'ai demandé à Nolan qu'il le descende, ce qui fait que j'avais pas besoin de redescendre ce soir. Et voilà, Nolan va aller au dodo. Du coup, il s'est rien passé d'extraordinaire, si ce n'est que j'ai oublié mon téléphone, mais que j'ai pas pu filmer du tout. Et du coup, là, je vous disais, le repas a été préparé du coup hier, ce soir, par Chouchou et par Nolan. Chouchou était de mission surveillance. Et Chouchou, ben de cuisson plus ou moins au début et à la fin. Et voilà, on a mangé, là on vient de sortir de table, Nolan se brosse les dents, et voilà quoi, vous connaissez toute notre journée là. Il s'est rien passé d'extraordinaire, il a plu comme jamais, c'était des grosses gouttes, presque c'était tout partout, inondé, vous savez, c'est des grosses flaques, où quand tu passes en voiture, tu en fous partout, t'arroses toutes les voitures à côté, ou tous les piétons. Là c'était pareil, c'était vraiment assez conséquent au niveau de la pluie. Nolan, t'es pas discret, hein, je t'ai déjà dit, hein, c'est pas comme si t'avais 3 ans. Hein. Même à 3 ans, je te dis, on te voyait déjà, mais on te faisait croire que t'étais pas là. Je sais, c'est bon, je sais, je disais, je suis cachée derrière Chouchou, je suis cachée derrière le rideau. Vous aussi, quand ils étaient petits, les petits, ils faisaient, je suis cachée derrière le rideau. Arrête. Mais ça, tous les petits le font. Tu leur dis, Nolan, t'es où? Mais il est où, Nolan? Vous avez vu Nolan? Et toi, tu nous disais, oui, je suis cachée derrière le rideau. Ah, il est caché derrière le rideau. On cherchait derrière tous les rideaux avant le bon, bien sûr. Alors qu'on voyait les gros chaussons sortir de la tête du truc. Et puis le rideau de secouer parce qu'il était trop content derrière d'être bien caché. Hein? C'est pas vrai. Oui, si, c'est vrai. Elle raconte des mensonges. C'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai que je raconte pas des mensonges. Non, écoutez pas, s'il vous plaît. Bon, allez. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Vous mettez en commentaire si c'est vrai ou non. S'il vous plaît, mettez faux. Faux. F-A-U-X. J'ai cru que t'allais nous dire F-O. Oui, moi aussi j'ai bégayé. Bon, allez. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, oui. Je sais pas quand. Donc, allez, mon espace vital. À la prochaine. Ciao. Ciao.